Tu vois, je réfléchis pas mal à la question du format. Je suis très très impressionné par les youtubeurs qui arrivent à créer des formats, à les tenir, parce que c'est facile. Tu te dis, je veux voir du Norman, tu vas voir du Norman. Je veux voir tu sais, des nouveaux formats du type mes chers abonnements, etc. Hop, je sais que le mec il est en face cam, il va me parler et tout. Voilà, YouTube est varié. On trouve des chaînes pour tous les goûts. Il faudrait qu'on trouve des chaînes qui en elles-mêmes sont variées. Voilà, à l'intérieur d'elles-mêmes, des chaînes multiformats. Il faudrait que le public soit capable de se déplacer pour ça. Pour du multiformat, ce serait pas mal. En tout cas, vous attendez pas à ce que je sorte un format révolutionnaire et que je m'en contente. Je pense que je vais rester dans la variété, moi. Je vais pas hésiter à prendre des chemins de traverse, comme on dit, tu vois. À m'engouffrer dans des forêts obscures. Des concepts dangereux. Ah, c'est ça que j'aime, moi. Un endroit, une chaîne YouTube où tu peux voir des biches et des bouts de feuilles, des châteaux, des routes. Ça ressemble à ça en fait, ma chaîne YouTube. Bon. Alors, bah, Teddy, il se permet de faire un petit vlog parce que il voulait parler un peu à ses abonnés pour vous informer de trois trucs. Voilà. Donc, bah, pour ceux qui connaissent, c'est mon camion. Tout le monde l'aura reconnu. Et puis pour les autres, bah, je vous présente Fabrice Ford. C'est le camion de mon père en fait, avec lequel. Je voulais emmener Titou sur les bords de Loire. Alors, il y a eu beaucoup de questions des abonnés parce qu'on est bientôt à 600 abonnés. Et je voulais répondre un peu à quelques questions. Alors déjà, est-ce qu'on a fait les bords de Loire? Est-ce que je suis parti avec Titou 59 et Fabrice? Bon, désolé de vous décevoir les gars, mais je suis pas parti avec Titou. Voilà. Alors pourquoi? Parce que Teddy c'est un très très mauvais conducteur. Donc Titou il a pris peur, ce que je comprends, et il a souhaité ne pas partir avec Teddy. Alors qu'est-ce que je fais là? Ben, je suis près de Orléans et du Mans, je suis entre les deux, et je suis parti avec mon coach de conduite. Donc j'ai pris un week-end de septembre pour apprendre à maîtriser la bête. Voilà. Ce que je commence un peu à faire, donc on va pouvoir envisager bientôt de vous faire découvrir bah, toute la France. Teddy, est-ce que tu vas reprendre les vidéos YouTube? Oui, alors tout à fait, je vais reprendre les vidéos YouTube en octobre. Parce que voilà, on est bientôt à 600 abonnés et je vous avoue que les messages que vous m'avez laissés m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup réconforté. D'une part parce que vous avez laissé que des messages positifs, constructifs. Il n'y a pas de troll sur ma chaîne en fait. Ce qui me fait dire que j'ai dû toucher quelque chose qui vous intéresse. Je pense que j'ai dû répondre à une attente, je ne sais pas, que je ne maîtrise pas encore. En plus, il faut que je vous fasse découvrir la France parce que c'est magnifique. Et j'ai vraiment l'intention de faire un maximum de vlogs.
un maximum de podcasts, ce genre de choses avec Fabrice et Titou. Parce qu'il faut vraiment que je vous fasse voyager, les gars. Il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont même pas la thune de se déplacer, ni en train, ni en voiture. Et Teddy, c'est la chance qu'il a, c'est d'être au RSA. Donc, il peut vraiment se permettre de vous faire voyager un peu, tu vois. Alors, donc, vous savez, je vais reprendre en octobre. Et je compte sur vous, en fait. C'est le message que je voulais faire passer parce que je ne voudrais pas me perdre dans des bêtises, pour tout avouer. Je vais tenter de faire de l'art. Je vais tenter de faire quelque chose d'artistique, d'intéressant. Et c'est probable que je me perde un petit peu. Et je vais vous demander tout votre soutien pour rappeler à l'ordre Teddy lorsqu'il se trompe de voix. Mais surtout, ne pas hésiter à donner des idées, à donner votre opinion. Parce que, pour tout vous dire, mon objectif, pas vraiment de retourner YouTube, mais au moins d'offrir un contenu intéressant, utile, voilà. Et je continuerai pas YouTube si je me trompe de voix, si j'offre de la médiocrité, pour être sincère, voilà. Donc, on reprend en octobre. Je vous fais des nouveaux formats, je vous fais des belles choses. Et je passe ce message à Titou59 et aux quasi 600 abonnés qui me suivent, des jeunes de qualité, des jeunes qui ont su me motiver, me donner envie et me donner l'impression que voilà, j'avais pas bossé pour rien, franchement. Je vous remercie beaucoup, vous restez sur des ondes positives, vous gardez la conscience, vous faites un petit tour sur la chaîne si vous avez loupé des vidéos parce que apparemment tout le monde y trouve son compte, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu et bon, on se retrouve en octobre, d'accord ? Je finis mon petit exercice de conduite et j'espère que bientôt je pourrai vous faire voyager les gars, ok ? À bientôt.